Yalla Bokero, Beshem Hashem, Naase, Ve Natsliach, en ce lundi 27 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et déjà Kav Gimel du mois de Tevet, Chaim Tovim Shalom Shiur, sur le Zohar Kadosh, Parashat la semaine, Parashat Ba'era. On parlera d'un sujet qui nous concerne tous encore aujourd'hui, Baruch Hashem. Je suis racheté par Etel et Rudy Atea pour la Refoua Shlema de Mercedes Mesaouda, Bat Estria Esther. Il attend que le mérite de cette étude, Tishlach la Refoua Shlema, Chlama Meira, Briyut Etana, Asacha Ba'alocha Bechom Asyadem, une grande Hatzlacha chez Etel et Rudy Atea, Bezrat Hashem, d'avoir acheté ce Shiur. Une grande Refoua Shlema, Chlama Meira pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'Atar. On pensera en même temps à la Refoua Shlema, pardon, de Moratimi, Sarah Batal Bet Fratmiriam, Yonah Ben Esther. Chai Libracha Bat Mitne Sharon, Inon Chai Ben Ruti, j'espère qu'il va mieux. Chai Yaruchama Esther, Bat Rivka, les frères et sœurs, mes petites filles aussi, dans la même occasion avec le froid, qui, un petit virus comme ça qui traîne, pas tout le temps le coronavirus, hein, il n'y a pas que ça sur Terre. Baruch Ben Rutsoufan, Meir Ben Rutsoufan, qui est aussi fatigué, Hashem Rechato Bechol Asherlo, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, en espérant que ça va beaucoup mieux avec l'aide d'Hashem. Rachel Batouchia, oui. Myriam, Batsara, Batsara, Rachel, Bat, Zora. Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, juste que ça va mieux. Ah, ça va mieux. Hier le chiour et ça va déjà mieux. Baruch Hashem, non, mais c'est, je ne dis pas parce que tu en parles, mais c'est Baruch Hashem, le chiourim, grâce à Dieu, font beaucoup d'effets pour les fois Shlema, de ce que les gens me disent. Baruch Hashem, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Non, c'est l'anniversaire de ma mère. Ah, c'est mais... l'Askara aujourd'hui? Non, c'est pas l'Askara. Alors quoi? Mais ça, c'est pour rappeler sa mémoire. Ah, ben, comment elle s'appelait? Nuna Bat Mesaouda. Nuna Bat Mesaouda, Ruch Hashem Tenachena Begin Aiden, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Tov. On commence notre shiur tout de suite avec une grande question. Qu'est-ce que ces deux parachotes, de parachat, donc Vaera et de parachat de Beau, viennent nous apporter avec les 10 plaies? Les 10 plaies sont toutes, mais à la Teva, elles sont toutes, comme vous le savez, au-dessus de la nature. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer et définir par rapport à une civilisation très scientifique. Il faut savoir que l'Égypte, contre toute attente, était des Khartoumim, des gens très intelligents. Ils avaient créé des universités bien avant la Grèce. Et la ville de Khartoum, par excellence, les Khartoumim et les Chachamim d'Égypte. C'était des gens qui avaient pour principe de pratiquer la sorcellerie. Donc, ils connaissaient les mondes parallèles. Ils connaissaient les mondes ésotériques. Ils savaient que il y avait un système de rondement sur lequel Elohim existait. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de problème avec la dimension de Elohim, le Dieu qui créa le ciel et la terre, ils n'ont pas de problème avec ça. Et ensuite, ils ont, à l'image un petit peu de Hanor, voulu, on va dire, respecter la dimension du Tout-Puissant en nommant des intermédiaires. Cette idée-là est prise aussi dans le judaïsme. Moshe et les Rabbanim sont les représentants d'Hachem. Et même, il y a 2000 ans de cela, une religion qui a voulu prendre un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dans le judaïsme, dans la Torah, Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait par la bouche de ses tzadikim. D'accord ? Quand on voit un tzadik pour avoir sa réponse, on prend la Torah. Ce n'est pas le tzadik qui parle lui-même, c'est ce que la Torah lui a transmis. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque, ces civilisations-là ? Ils ont pris tout simplement des intermédiaires, mais qui par contre allaient dans le mauvais sens de ce qui viendra de l'idolâtrie, c'est-à-dire créer des intermédiaires pour représenter Dieu, qui à la base était une idée plutôt acceptable. D'accord ? Prenons un exemple un petit peu grossier du judaïsme. Quand on rentrait dans le Saint des Saints pour parler à Dieu, on avait quoi en face de soi ? Ben, deux chérubins, je veux dire deux statues d'or. Pour mettre un petit peu les choses dans leur... Quand les enfants d'Israël se retrouvent malades et piqués par les serpents, leur seule façon de guérir, c'est de regarder un serpent d'airain qui fait je ne sais pas combien de mètres de hauteur. D'accord ? Tu regardes une statue et tu guéris. Donc, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Bien sûr, c'est strictement interdit si ce n'est pas une ordonnance divine. Mais dans le cas échéant, il faut savoir que l'Égypte, eux, avait créé des dieux qui leur permettraient de pouvoir agir dans leur débauche morale. C'est-à-dire que l'histoire du mouton, l'histoire du Nil, l'histoire de Pharaon qui se prenait pour Dieu, comme un des pays les plus virulents dans ce domaine, ça a été la Thaïlande et la Corée, par exemple, du Sud, pour ceux qui ne savent pas, où ce sont les pays où il y a le plus de sectes au monde. C'est fou. Et avec des milliers et des milliers d'adeptes. C'est impressionnant de voir des gens qui se disent être le Messie et d'avoir tout de suite des adeptes. Ouais, il est là, c'est lui. C'est fou combien l'esprit de l'homme peut être fragile au lieu de suivre un système. Et donc, quoi qu'il advienne, pour la civilisation égyptienne, on avait expliqué la dernière fois pourquoi est-ce que Pharaon, lui qui était si intelligent que ça avec ses Khartoumim, n'ont pas trouvé que son rêve des 7 vaches obèses qui sortaient grasses
du Nil fut dévoré par des vaches qui étaient maigres et que le blé si imposant était dévoré par des épis de blé fétiches et maigres, bah parce que pour eux, c'est pas possible qu'il y ait la famine, puisqu'on a le Nil, donc de façon rationnelle, quand tu as de l'oseille sur toi et que tu as ton coffre qui est plein de nourriture, tu vas pas dire je vais crever de faim. D'accord ? Le mec, il a son compte bancaire qui est plein, on va lui dire tu sais, tu vas être ruiné. D'accord, mais il est plein mon compte bancaire et j'en ai tellement d'argent que même Dieu ne pourrait pas me ruiner. D'accord ? Bah pour lui, il a des trilliards et des trilliards, il a des hôtels, il a. Il dit même s'il frappe ce camp-là, il pourra pas frapper. Et à part ça, même si c'est le cas, je vends 3 châteaux et j'ai de l'argent. C'est comme ça que Pharaon comprenait les choses. Comment tu peux me parler de famine ? De quoi tu parles ? On a le Nil, on n'a pas besoin d'eau, il pleut pratiquement jamais en Égypte. On n'a pas besoin d'eau. La sécheresse dont tu parles, elle n'est pas logique. Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent le côté que 2 et 2 font 4. Ce sont des gens qui sont très cartésiens et on le voit dans le langage. Pourquoi est-ce que tu déranges ce peuple ? Il n'a pas fini son tikkun. Dieu, il a dit 400 ans. Moi, je respecte Dieu, il dit Pharaon, pas de problème. Seulement, la multiplication des enfants qui allaient bien au-dessus de la nature a rattrapé les 190 ans qui manquaient. Par exemple, je dis n'importe quoi, si de façon naturelle, pour les 400 ans, il y aurait dû avoir 200 enfants qui vont naître par an pour l'esclavage qui était prévu, là, ils vont naître 6 enfants de plus. Ça veut dire, 4 enfants de plus. Donc, on passe à un taux de personnes qui travaillaient, qui ont amplement dépassé les 400 ans par rapport à la production exigée par le tikkun d'Avraham Avinu dans le Brit Ben Ametarim. D'accord ? Mais la reine, Bezrat Hashem Yitbarach, les 10 plaies viennent donner un renouveau à l'Égypte. À un tel point qu'ils vont dire Etzba Elokim Hi, on ne comprend pas, on ne connaissait pas cette façon de gérer le monde de Dieu. Parce que Dieu a créé un monde de telle façon à ce que si tu donnes un coup à une personne, il a un hématome. Si tu travailles pas, ben t'as pas d'oseille. Si tu sautes pas par rapport à un puits, ben tu risques de tomber dedans. Sur les choses sont naturelles. D'accord ? Le mec il vient et dit regarde, c'est bien d'Hachem, je vais couper la branche, elle va tomber par terre. Oui. Ça vient pas d'Hachem, ça vient d'Elohim. Le rondement du monde va selon un système très cartésien. Il faut savoir que dans le judaïsme, dans la Torah, c'est une très 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 lourde marloquette à savoir est-ce que tout vient d'Hachem ou est-ce que le système naturel gère le monde. D'accord ? Le mec il dit je vais pas travailler, je vais rester dans ma chambre, je vais rien faire de ma vie, l'argent va venir jusqu'à ma porte. Voilà. Qu'est-ce qui va provoquer cet événement ou pas ? Ça dépend de comment tu es toi dans ta vie. Est-ce que tu as du bitachon ou est-ce que tu as de l'aïmouna seulement ? Quelqu'un qui fait sa ishtadout et qui va faire et qui va faire et qui va faire et qui va faire, en fin de compte, il compte sur lui, alors il faudra qu'il aille travailler pour. Celui qui a bitachon atzmi amiti comme Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien lui, il aura, même dans la grotte, il va dire à Dieu donne-moi à boire et à manger. Donc, les choses étaient déjà présentes. Le kikayon qui va, le etz karouv, Harouv, qui va grandir, il était déjà là, préparé. Et pourquoi il a le mérite de le voir ? Parce qu'il vivait avec Dieu qui est au-dessus de la nature. Et donc, on peut dire que le bâton qui se transforme en serpent dans la Torah, c'est un événement pour Pharaon, mais qui reste constamment dans un bras de fer avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que quand il prend un bâton qui fait partie du végétal, qui se transforme en animal, donc un degré supérieur, eh bien, c'est quelque chose de surnaturel. Et Pharaon, on verra que pour les 3 premières plaies, va se rire des plaies imposées par Moshe Rabbeinu, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il dit, mais tu plaisantes ou quoi ? Alpi Teva, on peut le faire. Aujourd'hui, si vous voyez les tours de magie qui se font, cette prestidigitation de très haut standing, on a l'impression vraiment que c'est surnaturel. C'est-à-dire, quand tu viens dire qu'il y a un mec qui a 2000 ans qui a marché sur l'eau aujourd'hui, il y en a plein qui le font au Japon, aux États-Unis, ils marchent sur l'eau avec des effets incroyables. D'accord ? Et même, on le voit dans les émissions, quand ils font les magiciens qui viennent aujourd'hui, qui viennent avec les bras nus. Tu sais, avant, tu disais, ah, bah, c'est dans ses manches. Les bras nus, ils te sortent des dizaines de jeux de cartes. La femme qui arrive habillée en robe noire, et elle change en espace de 2 minutes à la montre, de 15 robes différentes. À un tel point, tu te dis, mais comment elle a le temps de changer ? Elle se retourne, elle te montre bien que la robe est posée sur elle. Comment c'est possible ? Alors quoi ? Alors, Moshe Rabbeinu, il serait venu, il aurait dit, regarde, Majel Abia, elle est blanche, maintenant elle est noire, maintenant elle est rouge, maintenant elle est bleue. Oh là là, punaise. Ouais, bravo. Hein, tu vas passer où ? À Guinness. Et donc, c'est ce qui se passe. On voit dans le comportement de Moshe Rabbeinu qu'il est un petit peu dérangé par Pharaon qui lui dit quoi ? C'est ça ton tour de magie ? En fin de compte, à la 4e plaie, qu'est-ce que concluent les magiciens d'Égypte ? Eh bien, que Moshe Rabbeinu est le plus grand magicien de tous les magiciens. Chazak ou Baruch, tu peux aller maintenant chez... qu'est-ce qu'il y a dans comme émission sur ce genre de truc extraordinaire ? Incroyable talent. Hein ? Incroyable talent.
incroyable talent, voilà, c'est ce qu'il va lui dire. Tu peux aller maintenant, incroyable talent. Moshe Rabbeinu, il a une super baguette magique, un bâton, c'est pas la petite baguette de Harry Potter, et il fait des grands tours de magie, c'est un grand prestidigitateur. Et on verra que les plaies, en fin de compte, petit à petit, bah, Béadraga, vont commencer à faire comprendre aux Égyptiens que Behemet Micha Mocha Ba'ilim Hashem, qu'il existe une situation où la nature se met à obéir à Dieu. C'est-à-dire que malgré le fait que Elohim ait lancé le rouage de la création du monde et de son système immuable, t'es malade, va chez le médecin, pas photo, eh bien, il peut y avoir quelque chose de plus grand que cela, c'est celui qui détient la Torah. Et Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, va rencontrer Hachem, et non pas sur une autre montagne, pour faire comprendre que celui qui va chercher la Torah, même sans l'avoir, il va chercher la Torah, il peut déjà changer la nature dans le monde du dit surnaturel pour les hommes, de façon où 2 et 2, ça peut faire 5 maintenant. D'accord ? Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, petit à petit, va éduquer l'Égypte à accepter cette idée que la nature peut obéir à l'homme si l'homme représente réellement Hachem, c'est-à-dire si l'homme vient avec la Torah. C'est clair jusque-là ? Le Zohar HaKadosh, ce qu'on va étudier du Zohar maintenant, va nous donner une autre approche de ce bâton qui va se transformer en serpent. Pourquoi Be'etzem, un bâton qui se transforme en serpent ? Et il dit que pour nous, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va patar ve'amar, à propos de Rabakouk, nous dire que Be'emet, pour nous, on sait très bien que le peuple d'Israël, par exemple pour tous les historiens et beaucoup de philosophes, quand ils parlent du peuple d'Israël, disent que ce peuple n'est pas un peuple conventionnel, ce n'est pas un peuple comme les autres peuples. Pas un peuple normal. Pour vous donner un petit exemple qu'on a déjà donné dans plusieurs shiurim, bah, tu prends un Français qui s'installe aux États-Unis, après 4 générations, il n'y a aucun souvenir de la France, quoi. C'est un pur Américain. C'est un pur Américain. Tu vois pas, la 5e génération, l'enfant, il se lève, il dit « Moi, j'ai un pays qui s'appelle la France. Mon arrière-grand-père était français. » Il n'existe pas ce genre de choses. Un Portugais qui est venu en France et qui est resté en France, au bout de la 3e maximum génération, c'est uniquement assez pauvre. Il ne va pas rappeler ses origines portugaises. Bekoshi. Par contre, le peuple d'Israël, ça fait 2000 ans. On passe de pays en pays et on est tous reliés par un même système. C'est le même Shabbat pour tout le monde, même s'il est accueilli par des plats différents. Mais Am Israël, jusqu'à aujourd'hui, est rattaché à « Imeshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini, Tidbak Leshoni Chiki ». On est tous attachés à notre terre et dans le cœur de chaque juif, on sait très bien que notre capitale, c'est Jérusalem. Et quand on prie du monde entier, peu importe quelle tendance nous représentons, on se tourne vers Jérusalem. C'est-à-dire chaque juif sait que travers ces 2000 ans, on est toujours Am Israël. Hein? Les Grecs n'ont rien à voir avec les Grecs d'aujourd'hui. Les Italiens, vous croyez quoi que c'est les Romains de Vercingétorisque ? Les Babyloniens, la grande Perse. Il n'y a plus de rapport avec ça. Ce sont des nations qui ont été décimées. Mais la reine, Am Israël ou Me'al Ateva. C'est un peuple qui est au-dessus de la nature. C'est un peuple qui est capable de renaître de ses cendres. C'est un peuple qui, normalement, après la Shoah, aucun juif faisait. Ça aurait dû être la fin du judaïsme. Le judaïsme n'a jamais autant brillé qu'après la Shoah. Il y a une revendication du judaïsme, de fierté, des irgunim, de l'État d'Israël qui s'est élevé. Et la Magen David qui flotte sur les toits de 2000 ans d'absence, entre guillemets, et pour nous amener le plus marrant de l'histoire, c'est qu'ils ont fait venir des Volkswagen en Israël pour emmener les gens d'un endroit à l'autre, qui était la voiture qui emmenait les Juifs sur les camps de concentration. Les Volkswagen, une marque qui a été créée par Hitler lui-même, okay, à l'époque du Reich. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, c'est avec ces mêmes fours que vous avez voulu nous ceci et cela. Il y a même, je crois, un mouvement Lubavitch qui avait allumé la menorah de Hanouka en face d'un... À Berlin. Oui, c'était le KG. C'était le QG des SS. Et leur plaisir, c'était d'avoir pris l'autorisation de la mairie d'allumer la grande menorah en face. Pour dire, vous avez voulu brûler nos corps et Am Israël Chavekayam. Bon, moi, je trouve qu'on a autre chose à faire que ça, personnellement, c'est mon opinion. Mais pourquoi pas? C'est une façon de répondre aussi à l'histoire qu'on ne peut pas brûler les enfants d'Israël, on ne peut pas tuer les enfants d'Israël. Am Israël Chavekayam, et on a une promesse d'Hachem pour cela. Et malgré tous les pogroms que nous avons subis, malgré toute l'histoire du peuple d'Israël qui, normalement,
c'est compliqué d'être juif et c'est dangereux d'être juif. On te hait uniquement parce que tu es juif. C'est-à-dire qu'une personne peut tout perdre parce qu'on apprend qu'il est juif. Ça a été le cas de ma belle-mère, Dieu la bénisse, qui travaillait quand elle est, qu'elle a été expulsée de l'Algérie à l'époque. Elle m'a raconté qu'elle est rentrée travailler dans une espèce de couvent à l'époque, bon, c'était comme ça. Et c'était la meilleure sage-femme, la meilleure infirmière exactement. Et tout le monde était après elle, tout le monde était après elle, tout le monde lui posait des questions, était vraiment très, très minutieuse dans son travail et très appréciée. Jusqu'au jour où ils ont appris qu'elle était juive. Bon, ça n'a pas tardé, ils l'ont renvoyée à l'époque. Omer Azor HaKadosh. Patar Vahamar ki Even Mikir. Pourtant, c'était la même personne, hein, toujours la même personne qui s'est travaillée, qui est humble, qui est effacée, qui est à sa place. Mais ils ont pris qu'elle était juive. Ki Even Mikir, kama yesh lo le Adam l'Izer, michataav, shelo ichata lifne Hashem. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce Zohar, vient nous apprendre que cette paracha nous met en garde de combien un homme doit faire très très attention de ne jamais imaginer qu'il est seul quand il faute. Lama. Vim tomar ki mi meidalav. Et si tu viens dire, qui viendra témoigner de ce que j'ai fait, car il n'y avait personne, j'ai fait ma kadosh baruchu osebaem shlichut. Eh bien, les murs de ta maison, le sol, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui vit, les arbres, je fais de la chonera à côté d'un arbre, cet arbre qui a une vie, tout comme le bâton s'est transformé en serpent. Donc tu vois bien que, comment est-ce qu'un arbre, apportez le témoin, j'appelle le chêne. Le chêne, il arrive comme ça, il dit, ouais, j'étais là, les mecs, il a fauté. Tu dis, c'est débile. Et c'est débile. Et un bâton qui se transforme en serpent et cabale deux autres serpents, c'est pas débile? T'as déjà vu, toi, un bâton qui avale des serpents? D'accord? C'est mis à la teva. Il dit, tu vois, comme le serpent, il a pu, le bâton, il a pu ouvrir sa bouche et avaler des serpents. De la même façon, viendra un moment où les murs de ta maison ouvriront leur bouche pour parler des serpents qui sont sortis de ta bouche. La reine Zema Shomer pour. Mate Aaron, Chiou Et Yavesh. Le bâton d'Aaron n'était autre qu'un bout de bois sec. À Sabo, Kadosh Baruchou, Reshit Nissim. Et Kadosh Baruchou, avec ce bâton de bois, donc de l'état végétal, a commencé à faire les miracles d'Égypte. Où j'étais chez Chouyot na Asubo. Et deux missions ont été faites avec le bâton. Echad, chez Et Yavesh, ou Bala et Atanenim, chez la M. Nachon, Vechad. Donc, le premier miracle qui a été fait avec le bâton, c'est qu'en tant que bâton, il a avalé les serpents. Taninim, ça se traduit en hébreu Nachash, c'est serpent. Tanim, c'est crocodile. C'est-à-dire? Donc, peu importe, on, dans le langage du Talmud, on peut utiliser le mot tanin pour un serpent aussi. C'est-à-dire? Qui les châteaux, qui belle roi haïm. Parce que la Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, il a mis de la vie dans le serpent, vena asa briya. Il est devenu une nouvelle créature. Donc, le Zohar Kadosh nous dit, tu sais ce que t'apprends de cette paracha? De faire attention que les lieux dans lesquels tu te trouves sont comme une éponge, qui peuvent l'ispog, c'est-à-dire, absorber l'énergie positive de tes propos, tout comme tu peux, Bezrat Hashem, il y avait un rave, j'ai oublié son nom, qui était extraordinaire, un chassid, en Pologne. Quand les gens venaient le voir et qu'ils pleuraient, ils n'arrivaient pas à se remettre de la mort de quelqu'un ou d'une très mauvaise nouvelle et tout ça. Ils se levaient toujours, ils disaient « Asseyez-vous, asseyez-vous à ma place. » Alors les gens, pour obéir au rab, ils s'asseyaient à la place. Dès qu'ils s'asseyaient à la place, d'un coup, ils étaient consolés. Ils allaient bien, ils arrêtaient de pleurer, ils arrêtaient de penser mal. Alors, ils ont posé la question au rab, c'est une chaise magique. Il dit « Non, c'est la chaise où j'étudie toute la journée. » Il dit « Alors ?» Il dit « Comme je suis toujours heureux, cette chaise-là, elle a pris mon énergie de joie. Celui que ça soit là-bas, elle lui rend. C'est comme tu dis pour Pessah, et pour la cachérisation des Kélim. Paulette, il rejette cette énergie positive à l'extérieur de celui que ça soit. Ce qui fait que le fait de s'asseoir sur cette chaise-là, eh bien, la chaise qui est tout le temps avec une énergie de joie le rend à la personne. Donc vous imaginez si vous asseyez sur la place de Tisha B'Av, un mec rasera. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Patar rocham shel otam omrim akadosh baruch hu eno atid lichyot hametim. Et donc, vous savez que le principe fondamental de la Torah, en première mission, on a vu quoi? Que le bâton est capable d'avaler les choses. Et la deuxième chose que vient nous enseigner ce bâton, dit Zohar HaKadosh, est merveilleux. Mamash Meod Yafeh. Il dit qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas de résurrection des morts. Quand on est mort, on est mort. Personne ne s'est jamais relevé. Asba, Zohar HaKadosh, il te dit, et depuis quand un bâton sa vie? Depuis quand un bâton sa vie? Depuis quand un bâton peut se transformer en serpent qui redevient un bâton qui est capable d'avaler des serpents? Attends, Meralze. Arrête ça s'est fait devant des milliers de témoins oculaires. Ça, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah. Tu vois bien qu'ils ont tous vu que le serpent de Moshe a avalé.
il est redevenu, pardon, bâton, et qu'en tant que bâton, il a avalé les serpents. Il te dit, si tu crois en ça, comment tu ne crois pas en ça? La reine, il y a Shriyat HaMetim. Et c'est la deuxième mission de cette paracha. Cheikh Efchar Sheasse Baim Briya Khadasha. Yavou Elu Tipshim Rechaim Rechokim Yatorah Rechokim Imenu. Kimela Kadosh Baruch Hu Shebeyadav Shel Aaron Ayamate Etz Yavesh. Comment vous pouvez voir que Aaron il avait un bout de bois sec dans les mains? Ver Zero Lifne Sheale Briya. Nishtana Avroach Gouf Elu Agoufim Shekvar Ayou Baim Ruchot Nishamot Kedoshot. On a vu que ce bâton qui avait donc sur lui gravé les noms de Dieu, mais qui disent que ce bâton était fait de saphir. Il y en a qui disent que c'était du Eid. C'est plusieurs. Akol divrei Elokim Chaim. Shemru, Mizvot, Torah, Mizvot. Ve'asku ba'em, ve'yamim, ve'lelot. Et de là, le Zohar Kadosh vient nous apprendre et nous dit de là, tu apprendras que celui qui tient la Torah dans ses mains peut changer la nature en surnaturel. Mishébemet, Ire, Shamaim, Betachlit, Beoved, et Hashem. Il peut, à l'image de Baba Saleh, de Rabbi Yaakov, Hatzera, du Rabbi de Lubavitch, du Rabbi Obadiah Yosef, on a entendu tellement de miracles. Le Rav. Kanevski, combien de miracles on a entendu de ces tzadikim? Loyoman Kisupa, Rabbi Moshe Ederi, combien de miracles on a entendu de leurs mains qui ont été faites? Selon la nature des choses, c'était fini. Et pourtant, tous les Amoraïm, Tanaïm, tous les Gdoshé et Lyon étaient capables de changer la nature, hein, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il demandait la pluie, entre autres. Ken, Imtin Otam Ba'afar, Ine Achakar Ba'etch Yihadesh Ha'olam, il te dit tout comme le corps il devient sec comme un bout de bois dans la terre, de la même façon Akadosh Baruch Hu atid la hayot et hametim, il y aura la résurrection des morts, tout comme le bâton a été capable de passer de l'état de végétal à l'état d'animal. Amar Rabbi Chiya velo od ela otoguf shaya yakum ze mashma shekatuv yichyu metecha velo katuv yivra. Il y a marqué yichyu metecha, se vivront les morts, mashma shem kvar nivreu aval tzrichim rak shiyichyu. Et donc, par rapport à ça, le Zohar Kadosh nous met en garde que ne crois pas qu'après la vie, après la mort, il n'y a plus rien. Vivons aujourd'hui, car demain nous mourrons. Mamash lo. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection des morts. Et le Zohar Kadosh va nous apprendre que cette paracha vient révéler aux enfants d'Israël que la base de l'Aïmouna, c'est Triat Hametim. Parce que s'il n'y avait pas de suite à la mort, alors à quoi ça servirait d'être bon, d'être Shomer Shabbat? S'il n'y a pas de suite à la mort, je fais ce que je veux, il y aura ce qu'il y aura sur terre. Et puis quand je suis mort. On lui dit, fais attention, Vaera. Vaera, ça veut dire maintenant tu vas voir. Mikan, vient le Zohar Kadosh nous apprendre que si tu es capable de comprendre que le bâton est devenu vie, il a pris vie et qu'il a été capable d'avaler ce qui était mauvais, apprends de là qu'il y a la résurrection des morts. Dans Maseret Sanhedrin, Bedav Tzadi Amudalev, là-bas on nous dit tout Israël a part au monde futur, pris du Navi. Mais après, qu'est-ce qui a marqué? Ve'ilu Shainem Hadeklam Abba, ce sont les apikorsim. La première base de l'apikoros dans la Gemara, le premier qui n'a pas de monde futur, c'est qui? Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts. Et de là, chaque fois qu'on a cru que le peuple d'Israël, Zéou, mourra, comme l'idée superflue, franchement, de revenir sur la terre d'Israël entourée par 375 millions d'Arabes autour du pays, sur le domaine stratégique, il y a 3 millions d'Arabes aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire, on a des gens qui sont hostiles à l'existence d'Israël, haineux, si tu veux, mais en tout cas, qui ont une carte d'identité israélienne, c'est-à-dire comme ça que beaucoup d'explosions ont lieu parce qu'ils avaient leur Teoudat Zehout israélienne, leur carte d'identité israélienne. On a autour de nous des ennemis qui sont dans le pays, on est entouré d'ennemis. Normalement, selon toute logique, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait disparaître. C'est comme si qu'une biche est déposée en plein milieu de 70 loups. C'est-à-dire, on est fou de vivre en Israël. Et pourtant, en Israël, grâce à Dieu, vit. Je me rappelle, j'avais vu une émission sur le Pentagone qui exprimait son ressenti vis-à-vis de l'État d'Israël. Ils ont répondu, c'est pas la peine de nous parler d'Israël, c'est un cas à part, c'est pas explicable. Quand tu observes la guerre des six jours, quand tu observes la guerre de Kippour, on est tous à la synagogue. Israël, c'est pas explicable. On est menacé du matin au soir, on est boycotté du matin au soir, on est haï par toutes les nations du monde. Sauf qui peut, quoi, je veux dire... C'est compliqué. C'est la bêtise humaine. Abba l'Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire d'un Etz Yavesh Triat Hametim. Le bois qui a servi à allumer les fours crématoires a donné vie au peuple dans son existence, dans la fierté d'être juif, à part malheureusement quelques individus qui ont eu tellement peur de la Shoah, qui ont été choqués, qui ont été dégoûtés, qui ont eu cette question en disant mais Dieu nous a abandonnés et autres. Il y a eu des cas comme cela. Dans l'ensemble, Am Israël, Baruch Hashem,
à relever l'étendard de la Torah et des mitzvot. Et c'est ce qu'il dit à propos de ce verset-là. Donc on a vu trois choses ensemble aujourd'hui. La première, c'est que Am Israël est au-dessus de la nature, puisque les dix plaies vont bien démontrer par là que le feu, par exemple, dans la paracha qui suivra, Barad, le feu et la grêle sont ensemble, ils se marient ensemble, ce qui n'est pas conventionnel, que les plaies vont frapper les animaux et les Égyptiens, alors que juste à côté, si dans le verre de sang qu'avait pris un Égyptien, un Hébreu mettait sa paille, lui buvait de l'eau, tandis que l'Égyptien lui buvait du sang, alors que c'est le même puits, c'est la même source. Mais c'est d'abord Shumé à la Teva. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Si dans le même endroit, j'ai une chose, elle est valable pour toi et moi. Quand on dit quand il pleut pour tout le monde, et quand il fait beau pour tout le monde. Le soleil ne va pas taper sur toi et pas sur l'autre. Comme ce fut le cas de Yona. Quand Yona était sur le bateau, le prophète d'Israël, la tempête qui s'est engagée ne frappait que autour du bateau de Yona. Par contre, les autres à côté, ils avaient le lac. C'est quand même très, très curieux. Ce qui a provoqué un désarroi. Donc, je finis juste ce Zohar, avec ta permission. Et donc, si la personne se dit, oui, attends, là, il y avait quand même un bout de bois pour le faire vivre, de là vient le Zohar, il nous promet que nous avons l'occiput, c'est-à-dire ce petit os, qui restera pour l'éternité, qui est indestructible, et que Bezrat Hashem l'éatid lavo, à la fin des temps, de par ce bout de bois qui est devenu vie, de la même façon, les enfants d'Israël revivront à la fin des temps. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres shiurim avec l'aide d'Hachem, le peuple d'Israël fait beaucoup plus attention où va être enterrée une personne que le vécu de la personne. Très souvent même, on pourrait dire qu'on sait qui était la personne par rapport à là où il est enterré. C'est très souvent, l'indicatif de l'enterrement indique qui était la personne. Pourquoi de tout temps on est pris comme le bouc émissaire jusqu'à présent? Pourquoi de tout temps on est pris comme le bouc émissaire jusqu'à présent? On est toujours, le juif est toujours ciblé, toujours persécuté, toujours les pauvres. C'est une bonne question que tu poses, je voudrais depuis répondre. Depuis Pharaon jusqu'à maintenant. Depuis même avant Pharaon. Même avant Pharaon. À l'époque d'Abraham, Tsakiakon, on était persécuté. Abraham le pauvre, il a dit je suis juif, ils l'ont mis au four crématoire. Première épreuve d'Abraham, ils l'ont jeté dans la fournaise ardente, non? La réponse est simple, c'est que nous avons d'abord et avant tout une vérité. Quand tu prends une vérité dans le monde du mensonge, tu haïs par tout le monde. Par exemple, tu regarderas aujourd'hui que tout celui qui dit des vérités à la télévision est condamné tout de suite, amendé et mis en prison. On n'a pas le droit de dire des vérités. C'est la première chose. Le peuple d'Israël est un peuple de vérité. Torah Temet Natan Lanu. Alors, de vivre dans un monde de mensonges, avec une lumière, une lumière dans l'obscurité, tu crées deux choses. La haine et la jalousie. Pourquoi? Toi, tu as la lumière et moi, je ne l'ai pas. C'est pour ça que quand tu regardes les autres religions, ben ça commence, et M. Lévy qui est professeur de philosophie pourra t'en parler en long et en large, parce que je pense qu'il est très bien placé pour le savoir, eh bien, c'est le remplacement d'Israël. Donc, si ces religions ont remplacé Israël et que Israël existe, ben on dérange. Par exemple, Ashmadai, roi des démons, s'est fait passer pendant 7 ans pour le roi Salomon. Quand le roi Salomon est revenu après ses 7 ans de galère, où il a vraiment trimé de ville en ville pour rejoindre son trône, jusqu'à ce que ce soit Bathsheba qui ait confirmé que c'était lui, le roi Salomon, et pas Ashmadai, eh bien, résultat des courses, quand l'imposteur voit le vrai venir, eh bien, il dérange. Donc, comment tu veux que... Un petit exemple, qui n'est pas une insulte, mais la chrétienté dans le Nouveau Testament dit « Nous sommes le nouvel Israël ». Alors, si vous êtes le nouvel Israël et que nous, on est Israël, alors vous êtes qui? Ce qui fait que l'identité du peuple d'Israël dérange l'entité de la chrétienté. Parce que si vous êtes le nouvel Israël, parce que les Juifs ont été maudits et seront dispersés parmi les nations et ne reviendront plus sur leur terre parce que vous n'avez pas accepté JC. C'est comme ça qu'ils disent. C'est pas une insulte, vous pouvez regarder. Nouveau Testament, c'est comme ça que c'est marqué. Vous n'avez pas accepté, donc... Et d'un coup, on revient sur notre terre. Le peuple Israël, Juif, descendant d'Abraham, Tsraq et Yaakov. Il dit, oh, t'es mort, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est les enfants de qui, alors? Ben, vous êtes les enfants d'Ésaü. Ah! Crise. On dérange. On dérange. Bien sûr qu'on dérange. À part ça, il y a aussi le côté, je vais te répondre sur trois vérités, Toda Rabba pour l'avoir dit, mais c'est sûr que c'est une vérité. Trois tableaux différents. Merci. Merci. Merci, Romain. Calme-toi. Et donc, trois tableaux différents. La première, c'est que le peuple d'Israël dérange par rapport à son identité. Peuple élu, peuple qui reçoit la Torah. Même si les non-juifs pouvaient venir prendre cette Torah, ce qui fut le cas de Yitro. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a reçu la Torah, on est supérieur aux autres. Mais nous, on a dit, comme c'est marqué dans la Gemara d'Avodazara, Maseret Avodazara, Naaseh v'Nishma, on a accepté la Torah sans condition, ce qui va faire de nous
un peuple élu qui va, grâce à cette Torah, nous donner une âme supplémentaire, donc une supériorité. D'où Hitler avec sa race aryenne, supérieure aux Juifs. Qu'est-ce que tu voulais chez les Juifs? Qu'est-ce qui t'ont fait de mal? C'est même eux qui t'ont financé au début de ton règne dans la politique, pour dire à quel point des fois on peut être bête. C'est même un médecin juif qui a sauvé Hitler, pour vous dire à quel point on peut être bête. Achon, t'as lu cette histoire, Achon, en Autriche? Et il l'a sauvé pendant Shabbat. Au lieu de respecter Shabbat, il est parti le sauver. Bassov, c'est jamais chemin. Attends, pour vous dire à quel point, des fois, on peut se tirer une balle dans le pied. Résultat des courses, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que si on ne fait pas ce que nous avons à faire, ça veut dire que, ok, vous dites que vous êtes le peuple qui avait reçu la Torah. Alors pourquoi vous n'êtes pas Shomer Shabbat? Alors pourquoi vous ne mangez pas Kacher? Alors pourquoi vous ne faites pas ce qu'il faut? Pourquoi vous vous comportez comme des goyim alors que Dieu vous a donné cette Torah pour être pour nous l'exemple? On attend un exemple à suivre. Et comme on n'a pas suivi cet exemple, ils ont pris un frère à nous qui est, et bon, ça a mal fini pour lui, et bah, sauf, ils en ont fait un dieu. D'accord? Mais c'est comme si que on te donne le volant d'un bus et tout le monde monte dans le bus. Et le mec, au lieu de conduire droit et d'emmener tout le monde vers une bonne destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le clown sur la route. Alors on en veut au chauffeur et on va frapper le chauffeur. En d'autres termes, c'est quand on quitte la Torah et les mitzvot que les nations du monde ont le droit de nous faire du mal. Contrairement à ceux qui disent qu'il ne faut pas se montrer en tant que juif, juste soit juif à la maison et pas dehors. Mamash, pas du tout. Et vous verrez que tous les tzadikim, pourquoi le Rabbi Lubavitch ne s'est pas montré à l'extérieur? Vous n'avez pas vu les rues de Brooklyn qui prenaient? Et non seulement il y avait plein de juifs, mais il y avait aussi des représentants des nations du monde et plein de goyim qui venaient. Regardez à Ouman, combien de non-juifs vont à Ouman à Rosh Hashanah? Lama. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de son judaïsme. Et la troisième chose, c'est le Chilul Hashem. Ça veut dire que, par contre, si un juif a le droit d'être fier dans son judaïsme, il n'a pas le droit de montrer sa réussite aux yeux de tous. Comme faire des films aussi stupides que Les cinq doigts de la main, que comment ça s'appelle, La vérité si je mens. Pourquoi le mec, il arnaque, d'accord? Il y a quelques juifs qui font des arnaques. Pourquoi tu fais des films? Pourquoi tu fais des émissions? Et ouais, moi, je jette l'argent, et moi, je fais le casino, et moi, j'ai acheté. Mais tu provoques la haine. Tu viens, tu provoques, par exemple, tu voles l'État français, ou tu voles des gens, tu arnaques des gens, mais tu devrais avoir honte. Pourquoi tu te montres? Pourquoi tu te montres? Tu sais que tu nous salis tous dans ton émission où toi, t'as l'impression peut-être de briller. Ah bah, tu nous fais du mal à nous. Parce que les gens, ils disent aujourd'hui qu'Israël, c'est un pays de voleurs et que les Juifs sont des voleurs. Alors qu'on parle de 0,00000,0001% du peuple. De qui est-ce qu'on parle? Combien on va prendre? Allez, il y en a une centaine sur 15 millions de Juifs. De quoi est-ce qu'on parle? Vous vous rendez compte de la honte que ça représente? Et ça aussi, ça attise la haine. Au lieu, comme dit le Rambam, c'est pas la peine d'acheter la dernière Mercedes décapotable quand t'arrives que le mec, il a deux... Ça me rappelle la journée pain quand on était jeune. Le mec, il arrivait avec une super voiture décapotable. OK, en plein mois d'août, hein, il y a tous les goyim. Il klaxonne. Maintenant, le mec, il est à deux mètres de lui. Roger! Tout ça pour que tout le monde regarde qui vient de s'acheter la dernière Ferrari rouge. Franchement, Lama, pourquoi montrer ta richesse? Pourquoi montrer ta richesse? Pourquoi exposer aux yeux des autres et créer la jalousie? Ce sont les trois plateaux, comme tu as dit, qui répondent un petit peu à ça. La première, c'est notre identité, parce que nous sommes un peuple de vérité, nous sommes un peuple protégé par Dieu et tout le monde le sait. Am Israël, c'est un peuple qui est très spécial. Un juif, c'est quelqu'un de très spécial. On le voit, les nations du monde invitent les juifs à revenir au Maroc, revenir en Algérie, en Tunisie, en Espagne, en Italie. Là où il y a le juif, il y a la bracha. Tout le monde le sait. Donc, c'est une entité quand même qui dérange parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on est dépendant du juif. De l'autre côté, quand au niveau financier, au niveau médical, mamash, les juifs sont partout à un très très haut degré. Le deuxième niveau, c'est quand on remplit pas notre rôle. Ok, vous avez pris le volant du monde, c'est vous le peuple que Dieu aurait choisi au Sinaï, alors comportez-vous comme des leaders, comme de vrais leaders, comme de vrais exemples. Soyez des messagers de la paix dans le domaine universel, de la conduite à avoir vis-à-vis d'Hachem. Et la troisième chose, c'est notre conduite qui des fois peut être provocatrice, je dirais, déplaisante, parce que si on n'a pas caché par contre notre judaïsme, parce qu'on doit être fier de ce que nous sommes, et c'est ce qu'attendent de nous les nations, montrez-nous comment c'est être juif. De l'autre côté, on n'a pas montré, quand Dieu nous donne de la réussite aux yeux de tous, en disant, voilà, on est dans ton pays, moi je gagne une tonne d'oseille, et toi, t'as vu, t'es rien. Zélo y a fait. C'est pas intelligent. Et dans ce domaine, les juifs, je pense qu'ils devraient un petit peu se travailler dans le domaine de la pudeur. Non pas de l'humilité, mais un peu plus de pudeur. On n'a pas besoin de montrer aux yeux de tous. Ça fait du mal quand le mec, il traîne la patte, qu'il n'arrive pas à s'en sortir et qu'il voit un juif qui débarque. Et parce qu'il est juif, eh ben, il gagne une tonne d'oseille. Je me rappelle qu'une fois, pour une conversion, j'étais avec une personne. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi tu veux vraiment devenir juif? Il m'a dit, vous voulez vraiment le savoir? C'était à Pessah. Il m'a dit, c'est parce que vous avez de l'oseille. Je vous promets, hein, c'est sa réponse à lui.
Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a énormément de pauvres dans le peuple d'Israël, mais le problème qu'il y a, c'est que quand il y a des riches dans notre peuple, il faut toujours qu'ils le montrent aux yeux de tous. Il faut en faire des films. Et moi, je t'achète, et moi, je prends, je vais faire... Bijulma, l'âme. Pourquoi montrer une image grossière de la réussite du juif, alors que Dieu nous a donné cette réussite pour qu'on fasse Torah au mitzvot, pour qu'on fasse ces choses dans la pudeur. Et si tu as le mérite d'avoir une très belle chose, Bezrat Hashem, d'abord partage-le, c'est une très bonne idée, et à part ça, ne le montre pas trop. Vivons heureux, vivons cachés. Les tsarés noirs, nous avons provoqué beaucoup de haine, à un tel point que j'ai vu des émissions où des juifs se vantaient d'avoir fait du mal, et d'avoir arnaqué, d'avoir menti, d'avoir là. J'ai dit à ma femme, si j'avais pas été juif, j'aurais haï les juifs de voir ce genre de choses. Ça attise une haine. C'est pas intelligent, surtout que ça ne nous représente pas. Le peuple d'Israël est un peuple juste, un peuple droit, un peuple kadosh, un peuple qui ne ment pas, un peuple qui ne vole pas. On est constamment, nous, en train de... Les Palestiniens, ils demandent plus l'aide des hôpitaux israéliens que leurs hôpitaux à eux. Ils demandent plus l'aide des soldats israéliens que leurs... Eux-mêmes, ils le disent dans les journaux. Eux-mêmes, ils le disent. Vous rendez compte que Arafat, où est-ce qu'il a mis son oseille, je t'en prie? Où? À la banque Discount à Tel Aviv. Il a dit, je suis sûr que les juifs seront bien gardés. Pour vous dire à quel point. C'est Adam, il y a que ça, Tracham. Et la reine, nous avons une image de marque à garder. Et si sur ces trois points-là, nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance des nations du monde, alors pourquoi vous êtes le peuple élu? Dégagez, on est prêt à prendre votre place. Et c'est pour ça que chacun se veut être le leader de la paix, de celui qui va faire le shalom entre les nations. Chacun veut prendre la place du peuple d'Israël jusqu'à ce que Bezrat Hashem, et pourquoi pas? C'est bien qu'on fasse un travail ensemble. C'est une question de rôle et de poste que chacun de nous devons occuper. Baruch Adonai l'Olam, amen, amen.